le plus beau cadeau. Bonjour les enfants. Bonjour maman. Bonjour. Alors, tu as passé une bonne journée, Zou? Oui, excellente. Et voilà, maintenant vous pouvez traverser en sécurité. Hein? Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a, Zou? Je me demande pourquoi Madame Jolie sourit comme ça aujourd'hui. Elle a l'air plus joyeuse que d'habitude. Oui, déjà ce matin, elle était très souriante. Ah bon? La voilà qui arrive. Oh. Posez-lui la question. Zou? Elsée, vous êtes encore là? Il est l'heure de rentrer chez vous. Oui, mais pourquoi souriez-vous comme ça aujourd'hui? Encore plus que les autres jours? Tu me trouves souriante? Eh bien, je vais te dire pourquoi. Demain, c'est mon anniversaire. Ah, bon anniversaire d'avance alors. Moi, j'adore les anniversaires. Et vous? Oui, les cadeaux et le gâteau. Qu'est-ce que j'aimerais prendre de longues vacances? Partir en croisière, faire le tour du monde, me reposer et manger des fruits tropicaux. Oh, un jour peut-être. Oh, je reprends mon travail. Les gens ont besoin de traverser. À demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Elsée. Un tour du monde serait un cadeau d'anniversaire vraiment fantastique. Tout le monde serait heureux de recevoir un tel présent. Madame Jolie, tu ne crois pas? Quel genre de cadeau? Je ne sais pas trop, mais on pourrait mettre notre argent de poche en commun et lui acheter quelque chose de joli. Oui, c'est une super idée, Zou. On se retrouve dans mon jardin dès que possible. Coucou, Poc. Ça fait pas mal d'argent de poche. Poc, tu m'aides à trouver un cadeau d'anniversaire? C'est pour Madame Jolie. Oh. Ça va, maman? Excuse-moi, je suis pressée. Qu'est-ce que tu manigances, Elsée? On va acheter un cadeau d'anniversaire à Madame Jolie. Vous allez l'acheter? Vous ne voulez pas plutôt lui fabriquer quelque chose? Oh. J'ai ma tirelire. Moi aussi. Oh, ça ne suffira pas pour des vacances. Non. Mais on peut quand même trouver quelque chose de spécial à offrir à Madame Jolie. Mais quoi? Et où le trouver? C'est toujours délicat de choisir le cadeau d'anniversaire parfait. J'ai exactement le même problème avec mamie. Enfin bon, si vous cherchez quelque chose de spécial... De très spécial! Je vois. Dans ce cas, je crois que le magasin de Tante Zelda est l'endroit idéal. C'est une super idée, papy! Je pourrais peut-être vous accompagner. Trois avis valent mieux que deux. Mais il se fait tard. Allez, on se dépêche! Vite! Madame Jolie aimerait partir en croisière et se reposer en mangeant des fruits tropicaux. Voilà une idée séduisante. Je suis sûr que nous trouverons quelque chose d'aussi original. Waouh! Tu viens, Zou? J'arrive, papy. Jolies choses dans cette vitrine. Comment on va faire pour choisir? Quoi qu'il en soit, il va falloir faire vite, la boutique va bientôt fermer. Je vous remercie, monsieur. Au revoir. Oh. Bonjour, Tante Zelda. Oh, Zou, Elsée. Bonjour. Quelle bonne surprise de vous voir ici. Oh, papy est là, lui aussi. Bonjour. Bonjour, Zelda. Ravie de vous accueillir, les enfants.
Faites comme chez vous. Vous êtes à la recherche de quelque chose de spécial? Oui, pour Madame Zoli. Elle nous aide à traverser la rue. C'est son anniversaire. Comme c'est mignon. Je vous laisse regarder. J'ai de nombreux objets très jolis qui feraient d'excellents cadeaux d'anniversaire. Bonjour, puis-je vous aider, madame? Oh, regarde ça! Tu as vu ce chandelier? Oui, mais je le trouve pas très beau. Et moi, ce coussin me fait mal aux yeux. Papy? Hein, oui, vous avez trouvé quelque chose? Est-ce que ça, ça ferait un cadeau spécial? Oui, d'une certaine façon. Mais ce sera un beau cadeau? Pas vraiment, non. On devrait continuer à chercher. D'accord, je vais regarder par ici. Et moi, par là. Oh. Oui, Puck, tu peux nous aider aussi. C'est un très joli bol, mais il n'a rien de spécial, je trouve. Il s'agit d'une pièce unique que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Ouf. Il vaudrait mieux que tu restes tranquille dans un coin, Puck. C'est ça! Oui! Bravo, tu as trouvé! Elsée, papy, venez voir! Madame Zoli ne peut pas partir en croisière autour du monde pour ses vacances, mais grâce à cette maquette, elle pourra l'imaginer. T'en penses quoi? Super, Zou! Je suis sûre que ça lui plaira. Mais est-ce qu'on a assez d'argent pour l'acheter? Vite, comptons! Oh non, on n'a pas assez. Il ne nous manque qu'une seule pièce. Eh bien, ce n'est pas grand-chose. Tenez, Madame Zoli le mérite bien, n'est-ce pas? Ah, merci, papy. Maintenant, on a le compte. Hein? Oh, mais où est-il passé? C'est un excellent choix, monsieur. Merci. Surtout qu'il ne m'en restait qu'un en stock. Pas de chance. Je crains que vous ne deviez choisir autre chose. Mais il n'y a rien d'autre qui nous plaise à tous les deux. Je voulais tellement offrir cette maquette de voilier à Madame Zoli. Mais je sais où on peut en trouver une autre. Vite, dépêchons-nous. Eh bien, vous n'avez rien trouvé à votre goût? Là, une autre maquette de bateau. Elle est plus petite que celle du magasin de ta tante, mais elle fera quand même un beau cadeau. Malheureusement, on dirait que c'est déjà fermé. On est arrivé trop tard. Oh, ce n'est pas grave. On a encore jusqu'à demain pour trouver. Mais comment? Maintenant, tous les magasins sont fermés. Tu sais quoi, Elsée? Puisqu'on ne peut pas acheter de cadeaux, on n'a qu'à en fabriquer un. Alors, vous allez fabriquer un cadeau à Madame Zoli? Oui! Je me demande qui a eu l'idée. Elle est excellente. On va faire une maquette de voilier. Merci, maman! Oh! Ça fera un cadeau magnifique. Mais il manque quand même quelque chose. Quelque chose qui le rendrait super spécial. Je trouve qu'il a l'air un peu vide. On devrait peut-être le charger un peu. Tu te souviens de ce qu'a dit Madame Zoli à propos de ce qu'elle ferait pendant ses vacances de rêve? Elle voulait manger des fruits tropicaux! Ma maman, elle en a! Des mangues et un ananas! Ce sera le plus beau des cadeaux! Bonjour, Zou! Bonjour, Elsée! Prêt à traverser? Pas encore. Ah bon? Pourquoi ça? On a quelque chose à vous dire. Joyeux anniversaire! Oh, c'est pour moi? Oh, oh ben ça alors, je ne m'attendais pas à recevoir de cadeaux. Oh, un voilier miniature avec son chargement de fruits tropicaux. Il vous plaît? Oh, je n'aurais pas pu rêver de plus beaux cadeaux. Oh, merci beaucoup, à tous les deux. Maintenant, vous pourrez imaginer que vous faites une croisière. Tu as raison.
Vous voulez l'imaginer avec moi? Allons-y. Le Brésil, l'Afrique, l'Inde, le Japon. Avec de l'imagination, on peut partir en croisière tout autour du monde.